Je vais à Cergy chercher Étienne. On fait une promenade avant de repartir. Dans le parc François Mitterrand, je fais un plan sur un graffiti filmé par Arnaud de Lacote 2 ans plus tôt. Le graffiti s'est effacé. 24 décembre, 19. C'est une écriture qui est très très importante dans mon parcours de libraire et dans mon parcours de lecteur. Donc je suis vraiment très 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 touchée qu'on soit très nombreux ce soir. Donc pour ceux qui ont aimé Un monde sans rivage, je vous conseille également, mais Anthony en parlera, je fais juste mon boulot de libraire de minutes. Parce que ça c'est un livre qui a changé un petit peu ma perception de la façon dont on vit les lieux au quotidien, et les lieux de notre enfance et les lieux qui vivent en nous. Donc ce livre-là, Grand lieu, qui a été publié aux éditions Joca Seria, vous le trouverez à la fin de la séance à la vers Étienne. Donc c'est un livre qui est très important aussi pour moi dans le travail d'Étienne. Alors Anthony Poirdeau, qui va animer la rencontre ce soir, est aussi un auteur que j'apprécie énormément. Donc il n'aime pas trop que j'en parle, que je dise qu'il... voilà. Mais en fait il y a une vraie filiation entre le travail d'Hélène et l'écriture d'Anthony. Pour moi il y a vraiment un rapport au paysage, au lieu. Une forme de mélancolie qui est décrite dans l'écriture par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un lieu dans nos vies. Donc voilà, si vous voulez aussi découvrir une écriture très belle, il y a le travail d'Anthony. Ma première question, c'est quand on retrouve donc 30 ans, 33 ans après cette expédition polaire en ballon, quand on retrouve les restes de l'expédition, on retrouve parmi les choses qu'on retrouve, il y a quelque chose de tout à fait capital qui, je sais, a été tout à fait décisif dans ton travail, ce sont des photographies. Est-ce que tu ne peux nous parler un peu de ces photographies, peut-être de ce qu'elles montrent, mais aussi de ce que ça signifie de les retrouver ? Ces photographies, déjà la première particularité qu'elles ont, c'est que donc elles vont vraiment faire réapparaître ces hommes, parce qu'ils disparaissent pendant 33 ans, et finalement ils vont revenir, ils vont être des revenants, vraiment au sens propre, par la photographie. Puisque quand on retrouve le campement, il ne reste presque plus rien de leur corps, mais par contre ils vont vraiment réapparaître à travers ces images. Donc c'est des images où on les voit eux, donc on voit la plupart du temps deux silhouettes, où on voit souvent le ballon échoué, comme c'est le cas sur la couverture du livre. Et il arrive qu'ils soient trois, puisque le photographe de l'expédition, donc Nils Strindberg, par moment, il y a un système de retardateur qui permet que sur quelques rares photos, ils figurent. Mais la plupart du temps, on voit deux hommes sur ce paysage blanc. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des photos qui sont toujours prises d'assez loin, donc on les voit vraiment en silhouette.
très habillées en plus de manière assez chic et pas du tout adaptées au climat, avec des vestes en tweed, des casquettes, et on les voit toujours très élégantes, très fières. On les voit vraiment reprendre vie à travers ces photos, mais en même temps c'est des photos qui ont beaucoup de zones blanches, donc c'est le cas de le dire aussi par rapport à ce paysage évidemment, mais pas seulement, parce que le fait qu'ils se prennent toujours comme ça très loin de l'objectif, on ne voit pas en fait les marques éventuelles sur leur visage, on ne voit pas les traces en fait des jours qu'ils passent dans la neige. C'est aussi pour ça qu'on n'a aucune idée du temps qu'ils ont mis à prendre des photos. Peut-être qu'ils les ont toutes prises les trois premiers jours et qu'après tout le reste est invisible. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à dater en fait. Et il y a autre chose aussi qui est important avec ces photographies pour moi, c'est que comme c'est les négatifs donc, qu'on a retrouvés sous la glace, elles vont porter non seulement la trace de l'empreinte des corps de ces hommes, voilà, que la lumière imprime sur le papier, mais aussi la trace vraiment du paysage lui-même. La trace de la neige, la trace de la glace, de l'humidité, du temps finalement. Certaines photos sont presque abstraites, même complètement abstraites pour certaines. On n'y voit que des taches, des formes voilà, qui marquent comme ça la pellicule. Mais par contre, on sait que quelqu'un s'est tenu là et que ce quelqu'un a disparu. Et là, c'est presque les photos pour moi qui appellent le plus l'écriture, parce que la présence est devenue invisible, mais on sait qu'il y a eu cette présence sur ces photos.